Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur les nouveaux modèles de monétisation pour les éditeurs de presse et notamment les abonnements numériques. Et on va discuter aujourd'hui de la façon dont ces abonnements numériques transforment en profondeur les organisations de ces éditeurs de presse. Je suis moi-même Lou Gauthier, je suis consultante au sein de FT Strategies, qui est une entité de conseil au sein du Financial Times. Et on travaille depuis 2 ans avec la Google News Initiative pour aider des éditeurs de presse en Europe à développer des nouveaux modèles de monétisation plus résilients, notamment les abonnements numériques. Et on a avec nous aujourd'hui 2 éditeurs qui ont participé à un des programmes phares donc, de la Google News Initiative qui s'appelle le GNI Subscription Labs. Et donc nous avons avec nous Lisa Boucher, qui est directrice du marketing digital chez Lagardère News et qui participe avec le JDD depuis mars au programme. Et nous avons également Philippe Colombet, directeur général de La Croix, qui a participé l'année dernière au programme et avec qui on va discuter du coup de ce que ça a signifié pour son organisation. On a également Chantal Ferraro, qui est directrice des partenariats News au sein de Google pour la France et l'IMIA. Bonjour Chantal. Bonjour. Pas tout IMIA, juste MIA. Donc France, MIA. Voilà. Voilà. Et donc, l'objectif de la discussion, c'est de comprendre un petit peu ce que signifie pour des éditeurs de presse le développement de ces nouveaux modèles de monétisation. Je vais commencer par une petite introduction qui est le point de départ en fait, du travail qu'on mène avec beaucoup d'éditeurs, qui est la compréhension de ce que ça signifie un modèle de monétisation par l'abonnement pour des éditeurs de presse. Et le point de départ, il est très très simple. Dans un modèle traditionnel fondé sur la publicité, le focus d'une organisation, ça va être l'audience et la taille de l'audience et la capacité d'aller toucher une audience la plus large possible. Quand on passe sur un modèle de monétisation par l'abonnement, donc par le lecteur, on est sur un paradigme qui est très différent. Puisqu'en fait, on réalise très vite qu'un tout petit nombre de nos lecteurs va être prêt à s'engager et souscrire un abonnement. Donc là où avant on voulait toucher le plus grand nombre de lecteurs possible, on est dans un modèle où en fait le nouveau paradigme, ça va être non plus de toucher cette base de lecteurs, mais d'engager en profondeur nos lecteurs les plus fidèles, les plus engagés, et donc d'aller créer de la valeur pour le lecteur. Et ça paraît relativement évident, ça paraît relativement simple, mais en fait ça a un vrai impact en profondeur sur la manière dont une organisation va travailler et essayer d'apporter de la valeur à son lecteur. Concrètement, ça signifie qu'avec les éditeurs avec lesquels on travaille, on va travailler vraiment sur 3 axes principaux. Et le premier, ça va être justement de changer de paradigme et de faire passer la valeur avant le volume. La valeur avant le volume, ça signifie concrètement que là où avant une organisation, un éditeur de presse va se focaliser sur les pages vues, les clics et mesurer la performance de son contenu à l'aune du nombre de lecteurs de son contenu. Dans un modèle d'abonnement, le focus, ça va être la valeur qui est apportée au lecteur. Concrètement, ça va être comment le lecteur a interagi avec le contenu, quelle va être sa profondeur de lecture. Est-ce qu'il revient sur le site? Combien de fois par mois il revient sur le site? Quel est son niveau d'engagement? Donc ça, c'est un changement profond dans la manière dont une organisation va essayer de comprendre l'impact qu'elle a sur son audience. Le deuxième point qui est fondamental à cette transformation vers un modèle de revenu lecteur, ça va être un alignement des équipes autour de cette valeur qui est créée pour le lecteur. Très concrètement, dans un modèle traditionnel, vous pouvez avoir une équipe qui s'occupe de développer une audience et une équipe qui s'occupe de la monétiser. Et vous pouvez avoir 2 mondes qui fonctionnent de manière très parallèle sans presque travailler ensemble. Dans un modèle fondé sur l'abonnement, vous avez un lecteur et vous avez un paradigme qui est l'engagement et la valeur apportée par le lecteur.
et autour duquel doivent collaborer l'éditorial, le marketing, le produit, la tech, toutes les fonctions de l'organisation. Donc réussir à créer une vraie collaboration au sein de l'entreprise et un vrai alignement autour d'un objectif commun, c'est fondamental pour aller développer cette valeur pour le lecteur. Et enfin, dernier focus important sur lequel on travaille avec la plupart des éditeurs, c'est les nouvelles compétences qui sont nécessaires au sein des organisations de presse pour aller développer ces modèles. Et une de ces compétences très importantes, c'est l'expérimentation. Parce que l'expérimentation, elle permet véritablement d'aller mieux comprendre la manière dont vous délivrez de la valeur au lecteur et d'aller optimiser cette valeur et développer cette connaissance du client à travers l'expérimentation. Voilà, donc voilà pour l'introduction rapide. Et maintenant, je vais demander à chacun de mes interlocuteurs d'aider à illustrer en fait chacun de ces points. Et je vais commencer avec Lisa. Bonjour Lisa. Qui a rejoint le Subs Lab en mars, donc avec le titre JDD. Et donc Lisa, je crois que quand vous avez rejoint le programme en mars, vous avez réalisé assez vite finalement que pour développer ces nouvelles sources de revenus, vous aviez besoin de transformer la manière dont votre business s'organisait, et notamment de changer les métriques et le focus de l'organisation. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ? Pas de souci. Je ne sais pas si on m'entend bien. Si c'est... C'était une réflexion qu'on avait commencé à esquisser un petit peu avant, parce qu'en fait, nous, on a lancé notre offre d'abonnement numérique sur le JDD en février 2020, il me semble. Mais c'est vrai que ça a été vraiment accéléré par le Sublab depuis mars dernier. Et en gros, c'est ce que tu disais, Lou, jusqu'au lancement de cet abonnement, on avait une démarche qui était très orientée volume, trafic, qui était issue du print et du modèle de diffusion basé sur justement l'importance du nombre d'impressions publicitaires. C'était quelque chose qui était déporté sur le numérique avec une attention prépondérante accordée aux pages vues, aux visites, etc. Et sauf que ça, quand on passe à une démarche d'abonnement numérique, c'est quelque chose qui n'est plus du tout envisageable. Si je tire le trait, c'est pas parce qu'on a 10 millions de pages vues par mois qui peuvent être le fait de 10 millions d'utilisateurs au cours de 10 millions de visites qu'on va avoir en fin de course des gens qui vont souscrire à notre offre d'abonnement à 6,90€ par mois. Donc c'est là où on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait ce shift qui devait se faire dans la manière dont on appréhendait nos utilisateurs pour passer de cette logique de volume à quelque chose de plus centré sur l'utilisateur. Sur plus de focus sur cette notion de valeur que tu évoquais, comment est-ce qu'on crée de la valeur, comment est-ce qu'on travaille une vraie relation à la marque pour aller vraiment venir travailler ces prérequis à la conversion. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a une notion qui est vraiment clé et que tu commençais à aborder et qui est arrivée au cœur de nos problématiques, qui est celle de l'engagement. Concrètement, c'est quoi l'engagement ? C'est vraiment tout ce qui va toucher à renforcer la relation à la marque. Nous, il y a une dimension qui est clé et qu'on a beaucoup travaillé, c'est la récurrence de visites. Donc, c'est ce que tu évoquais, mais par exemple, si on a un utilisateur qui se rend sur le jdd.fr un dimanche, nous, notre enjeu, ça va être de le faire revenir le dimanche d'après. Et puis, après, plus largement aussi, le faire venir les autres jours de la semaine pour qu'il se rende bien compte de l'étendue de notre offre, de tous les articles qu'on va pouvoir lui proposer, de l'ensemble des services qu'il va avoir à sa disposition. Et ça, c'est appuyé sur un constat aussi ultra simple, c'est que, par exemple, si on prend un utilisateur qui ne revient ne serait-ce qu'une deuxième fois dans le mois, on se rend compte qu'un utilisateur qui fait deux visites dans le mois sur le jdd.fr, il a déjà deux fois et demi plus de chances de convertir à notre abonnement numérique qu'un utilisateur qui ne vient qu'une seule fois. Donc on se rend compte que cette notion de récurrence de visite, finalement, c'est vraiment un driver de valeur. Donc ça, c'est une première dimension qu'on a identifiée. On a aussi vu qu'il y avait la profondeur de visite qui était importante, donc le fait, au cours d'une même visite, de consulter plusieurs articles, le fait de s'inscrire et de lire une newsletter, le fait de se créer un compte sur notre site, le fait de télécharger l'application, etc. Donc on voit que ces différentes dimensions aussi, elles sont le fait d'une analyse approfondie qu'on a pu avoir autour de nos utilisateurs, d'une connaissance qui excède juste les données de navigation, savoir quels sont les contenus qui sont à plus forte valeur, quels sont les comportements CRM qui peuvent aussi générer ce type d'engagement plus profond. Et donc, on a commencé à construire une vision qui soit plus consolidée de nos utilisateurs. Et ça, c'est une démarche qui a aussi été initiée par l'équipe marketing. Je pense que Philippe surviendra sur ça un peu plus longtemps par la suite, mais c'est quelque chose qu'on essaye de vraiment incarner au sein des différentes équipes de Lagardère et du JDD plus spécifiquement. Super, merci beaucoup.
On a Philippe qui est avec nous et qui, en fait, a participé il y a un an au Subs Lab, donc est passé par les étapes que tu décris, mais qui, depuis, a eu un an de recul et d'implémentation. Est-ce que tu peux nous dire, Philippe, à quoi tu as occupé cette année et qu'est-ce que tu as essayé d'implémenter suite au Subs Lab, justement, pour aller développer ces sujets-là? Alors, oui, je vais peut-être insister, en complément de ce que tu viens de dire, sur les aspects un peu organisation des équipes et gouvernance. La participation au Subs Lab a été vraiment un acte de direction générale, avec une équipe où il y avait la rédaction qui était représentée, la rédaction en chef, hein, pas uniquement le service web, la technique, le marketing. Donc il y avait vraiment la transversalité dès le début. Et je dirais le plus grand fruit, ça a été d'aligner tout le monde sur un but à 3 ans, qu'on a appelé à l'invitation des équipes du FT notre étoile polaire. Ce but, il essayait de nous forcer à donner des priorités, parce que quand on est un média historique comme La Croix, qu'on repose depuis toujours sur l'abonnement print, qu'on a à peu près 20 ou 25% des revenus digitaux et 75% du print, on ne fait une bascule vers le numérique que si tout le monde s'y met, que si la rédaction, que si la... Voilà. Et donc, il fallait absolument entraîner tout le monde vers un but. Et ce but, on l'a formulé avec des mots. Et on a essayé de... Alors, c'était avoir 100 000 abonnés en 23, 24, puisqu'on a des exercices différents, et attribuer à chaque partie de l'organisation un rôle actif et mesurable dans ce but. Aussi une phase hyper importante au début de diagnostic. Où sont les cailloux dans nos chaussures? Où est-ce que, par rapport aux grandes marques de presse quotidiennes nationales, on sous-performe? Est-ce qu'on a des atouts intrinsèques à la marque ou à notre audience qu'on peut développer? Donc, se mettre d'accord sur un vrai diagnostic. Alors, l'avantage du Subs Lab, c'est qu'on était avec des médias qui nous correspondaient en termes de taille, espagnol, polonais... allemand, donc on avait des médias à peu près avec des audiences similaires à la nôtre. Donc on a pu se comparer à eux, se benchmarker à eux, définir notre propre étoile polaire, hein, et au fond dire qu'est-ce que ça signifie de transformation pour la rédaction, pour le digital, enfin pour le numérique, et puis pour le marketing. Et puis à l'issue de ça, établir une gouvernance simple, mais quand même efficace et nouvelle des projets techniques. Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'investir dans un nouveau paywall? Avec quel objectif? Est-ce qu'on arrive à le raccorder à l'étoile polaire? Ou est-ce que c'est un projet technique totalement isolé? Voilà. Si on recrute 5 nouveaux journalistes dans un pôle desk, quelle est la contribution de ces journalistes à l'audience engagée? Voilà, ce genre de questions absolument essentielles pour prendre les bonnes décisions, pour rassurer un actionnaire en disant, voilà, cet investissement qui est fait dans l'éditorial, dans la technique, il va non pas comme ça pour suivre béatement le reste de l'industrie, mais il va dans notre but à nous, dans notre étoile polaire. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple concret de quelque chose que vous faites différemment aujourd'hui ? Alors, la chose qu'on fait différemment, et ça fait un écho à ce que tu disais, on envoie tous les matins aux journalistes un relevé des meilleures audiences des papiers. Et depuis à peu près un an, on a un score d'engagement attribué à chaque article. Donc il y a le nombre de pages vues, mais le score d'engagement, c'est un petit algorithme qu'on a développé en écoutant un petit peu aussi la manière dont le Financial Times scorait quelque part les articles en fonction de l'engagement. Et donc on attribue à chaque article, tous les jours, un score d'engagement qui est souvent... différent du nombre de pages vues, mais qui alerte finalement la rédaction sur ce papier à contribuer à de nouveaux abonnés ou à fidéliser des abonnés existants. En revanche, cet autre papier qui a eu énormément d'audience mais peu d'engagement, finalement fait rayonner la marque, mais moins directement lié à notre étoile polaire. Voilà un exemple concret qui perdure. Super. Oui. Alors, on y met, pour être très concret, on y met, est-ce que l'article a été lu 100%? Est-ce qu'il est lu jusqu'à 50%, hein, puisqu'on estime qu'une lecture à 50% d'un article un peu long envoie un signal positif d'engagement. Est-ce qu'il y a eu des partages sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a eu des clics sur le paywall issus de cet article? Et est-ce qu'il y a eu des commentaires? Et on fait un peu comme l'indice INSEE du panier de la ménagère,
un total de tout ça avec des pondérations et ça nous donne un score d'engagement. C'est pas copyrighté. Merci Philippe. Je crois que LJDD et Lacran ont pas mal expérimenté ou sont en train d'expérimenter pendant Subs Lab. Et l'expérimentation, Chantal, c'est aussi un sujet sur lequel toi tu travailles beaucoup avec, avec des éditeurs, et notamment l'expérimentation autour de choses comme Subscribe to Google, qui a pour objectif d'aider à développer les abonnements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le type d'expérimentation que tu mènes justement avec des éditeurs français notamment ? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, on a différents programmes et différentes briques pour aider les éditeurs à développer leur abonnement numérique. Une de ces briques produits chez nous s'appelle Subscribe with Google, ou l'acronyme un peu barbare SWIG. Donc on a travaillé avec de nombreux éditeurs ces derniers mois. Il y a Le Monde qui est le plus avancé parce que c'était le premier, mais il y en a d'autres qui ont suivi depuis, comme Le Figaro, des magazines comme L'Obs, Courrier International et pas mal d'autres en cours. Alors, pour expliquer quel est l'intérêt de cette brique Subscribe with Google, il y a trois avantages pour l'utilisateur final. Le premier, c'est réduire la friction à l'abonnement parce qu'on peut s'abonner en deux clics. Donc, les gens qui ont déjà un compte Gmail, typiquement, sont déjà logués. Donc, il y a juste un clic à faire. Et s'ils ont déjà leur carte bleue avec Google Pay, un deuxième clic pour payer. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, on parlait beaucoup de l'importance de l'engagement. Ça permet, en connectant les systèmes des éditeurs avec Google News et Search, de mieux faire remonter dans des espaces dédiés les articles des abonnements payants pour les gens qui sont déjà logués. Et donc ça, c'est le troisième avantage, c'est que ça réduit la friction à devoir se reloguer à chaque fois sur son compte puisqu'on est tout le temps logué. Ensuite, on a expérimenté donc deux façons. Alors, on a déjà accompagné tous ces éditeurs avec l'implémentation technique qui est quand même assez lourde. C'est un produit technique qui est pas léger. Et sur la partie marketing, on a eu deux parties notamment pour expérimenter. C'est sur la partie promotion parce qu'on a testé différentes choses. Chaque éditeur a un cœur de cible différent, donc il y avait l'acquisition, mais en ce moment, on avance aussi beaucoup sur la réduction du churn. Donc, on a testé différentes mécaniques, on a fait beaucoup de A/B testing. Et enfin, sur la partie achat média, donc acquérir, on a utilisé les outils Google, Google Ads notamment, avec des experts in-house qui ont accompagné les éditeurs pour optimiser la dépense média et l'acquisition de clients. Voilà en très bref. Voilà. Super. Bah, merci Chantal. Je pense pour terminer, parce qu'on n'a plus que quelques minutes, je vais prendre une question d'un des internautes et qui s'adresse peut-être à Lisa et à Philippe, qui est « Bonjour, quels sont les leviers éditoriaux les plus efficaces pour driver de l'abonnement sur un titre de news ?» Je pense que c'est une vaste question, peut-être un peu compliqué, mais qu'est-ce que vous essayez de travailler en levier éditorial justement pour aller développer l'abonnement ? Vaste question, vaste réponse, mais je pense que c'est compliqué d'y répondre comme ça. Ça sera plus le fait du reflet du lectorat qu'on va avoir, et c'est pour ça que moi j'insiste encore une fois sur l'analyse du comportement de nos utilisateurs. Je pense que Philippe et moi n'aurons pas la même réponse derrière. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on va pouvoir observer de nos audiences existantes. Est-ce qu'il y a des articles et des thématiques qui convertissent mieux ? Il y a la conversion en tant que telle, il y a aussi l'engagement qui est donc ce préalable à la conversion. Et je pense que ça, c'est le reflet aussi, et ça rejoint ce que tu disais, Chantal, d'une expérimentation. On va aller non seulement analyser ce qui peut fonctionner à date et suite à quoi potentiellement se poser un cadre d'hypothèse qu'on va venir tester avec soit de l'A-B test, soit d'autres types d'expérimentation dans la foulée. J'ajouterais que l'enjeu, c'est que la direction de la rédaction s'empare du sujet de la distribution des contenus sur Internet, ne considère pas que c'est... accessoire et non stratégique, donc faut vraiment, et c'est le cas, on a une nouvelle direction de la rédaction à la Croix depuis le 1er juillet, et
avec des quarantenaires qui incarnent le titre et qui veulent le faire vivre en numérique et qui s'interrogent vraiment quel est le papier aujourd'hui, le long format, l'interview qui sera stratégique pour mon abonnement, à la fois en recrutement et en rétention. Donc comment impliquer, alors que l'actu tombe tous les jours, leur premier boulot c'est d'inventer et d'écrire, comment les impliquer dans une distribution stratégique des contenus dans une visée de prise de parole du média, de hiérarchie de l'information, parce que c'est quand même pour ça que les gens nous achètent, mais aussi d'engagement des abonnés. Super, merci à tous. C'était hyper intéressant de voir ce recentrage autour du lecteur et de la valeur apportée pour le lecteur. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Thank you.